Salut tout le monde, on est reparti sur Celestian Tales Old North. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir dit cette phrase beaucoup de fois à chaque fois que je commence une nouvelle session. Alors, pour resituer, parce que moi ça fait, j'ai pas joué hier, enfin bref, de comment je m'organise. Ah oui, c'est vrai. Arthur avait joué de son luth et avait, je dirais, envoûté les Enders qui s'étaient retirés. Lord Severin avait battu, je sais pas, une sorte de général Enders dans un combat assez sympa, on va dire. Cependant, Lord Severin était blessé, il parlait un petit peu de son futur, comme quoi il devait prendre sa retraite, etc. etc. Et on nous a laissé un petit peu, je sais pas, dans le camp là, je sais pas trop ce qu'on doit faire sans forcément de directive, du coup on va explorer un petit peu. Est-ce que je peux retourner sur les rivages là? Ne serait-ce pour explorer un petit peu la zone. Mais on nous a rien dit concrètement quoi faire, donc je sais pas, peut-être que je vais retourner au château. Ah, un petit item qui brille. Allez, je t'ai vu. Voilà, je sais toujours pas à quoi ça sert, merci. Non, il y a pas d'avoir grand chose, je vais regarder un petit peu là sur la droite. Nope, rien de bien intéressant. Du coup on va repasser dans la forêt et je sais pas, ouais, se rediriger vers le château, je sais vraiment pas. Ils m'ont pas. Ou alors j'ai mal lu, j'ai pas fait attention à ce qu'ils me disaient, mais j'ai pas souvenir qu'ils me disaient quelque chose de précis à suivre ou à faire. On va voir. Ok, alors apparemment j'ai loupé un gros truc en fait. C'est comme vous avez pu voir, le roi me dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être sur le champ de bataille avec Lord Severin. » Et là je me suis en train de me dire qu'en fait, parce que j'ai fait tout le passage depuis le camp... depuis le camp jusqu'au royaume. Et en fait apparemment j'avais juste dû à retourner dans la tente de Lord Severin. Du coup bah je vais faire tout le chemin inverse. Enfin, je pense que je vais tricher, c'est-à-dire que je vais recharger la sauvegarde, puisque j'ai rien fait en fait entre deux. Et du coup, voilà, redémarrer au camp. Voilà, bon, on se retrouve tout de suite alors. Voilà, je suis de retour au camp, j'ai triché avec la sauvegarde, enfin c'est pas triché en vrai, hein, c'est juste que j'ai utilisé une fonction du jeu. J'ai juste rechargé la sauvegarde de là où j'ai commencé, comme ça m'a épargné tout le trajet, et du coup, on retourne dans la tente de Lord Severin, mais... qu'est-ce que j'ai à y faire en fait? Ah bah d'accord, elle est marrante, elle me dit, prêt à revenir à Levantine. Est-ce que je peux parler? Non. Bon, bah... bon, bah oui, je suis prêt. En fait, ça va être bien que je retourne à Laurentine, mais fait que je retourne avec elle, avec sa d'accord. Bon, bah très bien. Chapitre 7, Homecoming. Intéressant. Chapitre 7. Le retour des héros. Après avoir battu les Enders d'honneur. Acclamé par la foule et la population. D'accord, voulez juste que, voilà, que je parle à Marianne pour revenir. Du coup, bah ouais, on a vraiment battu les Enders et puis on est vraiment des héros. Alors, est-ce que c'est la fin ou je sais pas trop? Ou est-ce que il va se passer un événement lorsqu'on va être couronné ou genre anobli pour être pas pour être roi, mais pour être chevalier, puisque nous sommes encore que des écuyers. Mystère et boule de gomme, nous allons vite le découvrir. Il faut que j'arrête de parler et de dire tout ce qui me passe en tête, parce que sinon je vais dire de la merde. Une autre victoire pour le Roger. Longue vie à Lord Severin. C'est la fête. La victoire est à nous, Lord Levant. Alors, est-ce que le roi va nous anoblir pour nous faire chevalier? Non, parce que c'est un petit peu le but du truc, quoi, je sais pas. Mais... en tant qu'écuyer, c'est toute notre ambition, je dirais.
Merci, merci. Donc là, il nous gratifie de nos efforts. À juste titre. Oh, oh. Cool. Lord Severin nous dit, sans aucun doute, ils sont prêts à être... à rejoindre la chevalerie. Ça se dit comme ça, oui. Stand up, soon to be knight. Levez-vous, apprenti chevalier. Votre... votre chevaleresque, je sais pas. Votre, on va dire, cérémonie de chevalerie, je sais pas non plus. Va commencer, voilà, on va dire que ça existe. Donc ouais, on va bien être anobli et donc de devenir chevalier. C'est cool. Donc là, il parle de l'épée Garou, The Garou, et à qui elle devrait revenir entre le roi ou Lord Severin. Perso, je m'en fiche un petit peu, hein. Sauf si moi, je récupère les épées sacrées, je veux bien, hein, mais autrement, je m'en fiche un peu. Oh, faut que j'aille parler aux gens de la cité, mais qu'est-ce que je m'en fiche, moi? Vas-y, redis ma soie pour voir. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. D'accord. Donc il faut que j'aille parler aux habitants avant d'aller me reposer. Je peux pas aller directement me reposer, genre ouais, je l'ai fait, je l'ai fait. On va voir. Est-ce que je peux aller dormir? Nope, il y a quelque chose à faire avant. Bon bah, on va voir ça alors. Bonjour. Au revoir, c'était pas à vous que je devais parler apparemment. Quoiqu'elle c'est une noble, donc du coup peut-être que je parle plus à la populace. non, apparemment il y a rien qui se passe. Je sais pas, le roi m'a juste dit allez parler à la population avant d'aller vous reposer. Bon, soit. Ok, d'accord, il y a une petite cinématique, bon. Mickers, c'est qui toi? D'accord. Voilà, apparemment il rencontre un enfant. Enfant ou un... quelqu'un de jeune, hein, je sais pas trop si c'est vraiment un enfant, on va dire. Qui en gros défend, je dirais, l'honneur des écuyers. Enfin, ex-écuyers maintenant. Ça blablate, hein.
D'accord. Je peux te reparler? Ok. Blablabla. Est-ce qu'il y a d'autres interactions à faire ici? Non. Je peux toujours pas aller par là. Il serait temps de finir votre maintenance, les gars. Bonjour. Blablabla. Est-ce qu'il faut que je retourne voir le roi? Je sais pas. Je vais faire encore un petit tour. Si jamais. Ici, c'est la place du marché. Puis en dessous, il y a le port. Oh non. Je vais retourner voir le roi. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. C'est assez étrange, cette phase de jeu, parce que... Bah, il n'y a aucune action, juste des trucs à faire, mais qui sont, bah, pour moi, sans intérêt. Et je sais pas trop, quoi. Je sais pas vraiment quoi faire concrètement. Bon, on va retourner voir le roi, en tout cas. Ok, bah apparemment, on peut maintenant se reposer. Il fallait juste faire une petite interaction avec, je dirais, les enfants. Enfin, les enfants, je sais pas vraiment si c'était des enfants, bah bref. Fallait juste faire ça, et ok, je peux me reposer. Et me préparer, enfin... me mettre, je dirais, en condition pour la cérémonie qui va me faire, enfin, nous faire même devenir tout et tous chevaliers. Oh oh! On a reçu une lettre de Francis. Ce cher Francis, qui était notre... Bah, tout début de l'histoire, qui était notre ami, qui avait décidé de devenir un bandit, et on l'avait re-rencontré à Orzea au début du jeu, lorsqu'on avait été chercher du blé pour l'armée. Donc là, à mon avis, voilà, c'est une phase d'histoire propre à Isaac. Parce que voilà, étant donné qu'il y a 6 différents personnages, et donc 6 différents prologues, je pense que des petites scènes entrecoupées où est-ce que notre personnage qu'on a choisi est seul, comment dire, bah elles sont différentes, quoi. Il peut y avoir différentes histoires à raconter. Alors, est-ce que c'est Francis, ça? Ah. Alors, du coup, là, il m'appelle Reed parce que c'est mon vrai nom. Est-ce que maintenant on est un homme, on est prêt à être chevalier? On a un petit peu, pas forcément oublié, mais mis de côté, je dirais, notre aversion pour la noblesse en général. Voilà, apparemment on lui raconte un petit peu notre histoire. Donc là, Francis nous demande une faveur en fonction du groupe de bandits auquel il fait partie maintenant. En nous demandant justement de ne pas alerter les gardes de la présence des bandits dans un village voisin, enfin, un de leurs plans justement, de manière à ce qu'il se passe au mieux sans que les gardes interviennent.
Donc, du coup, là, il nous demande de faire ça maintenant qu'on est un petit peu infiltré. Oh oh. Donc là en gros Francis il nous fait un petit peu en disant, enfin voilà, il nous fait un peu la morale et à juste titre en nous disant ouais t'étais un, je dirais un commoner, donc un habitant je dirais lambda, quelqu'un de commun qui avait une aversion envers les nobles, c'est même à cause de ça que notre village a été détruit, que ta mère est morte à cause de ça, et que maintenant t'es devenu un noble, bah n'oublie pas un peu tes racines quoi, aide-moi malgré que je sois un bandit, fais en sorte de, je dirais, de respecter un petit peu ton origine, quoi. Donc du coup, on a une option. Soit on peut leur donner une chance, soit on peut en finir ici. Je serais d'avis d'en finir ici, en fait. Parce que j'ai envie vraiment de tourner la page là-dessus. Parce que j'ai un peu peur que, voilà, on va dire, notre passé nous revienne à la gueule. Et le fait de leur donner une chance, ça peut ne pas forcément être bien. Après, voilà, honnêtement, voilà, je les aiderais, hein, dire, moi, comme Reed à la base, concernant les nobles, voilà, je suis partisan un petit peu de leur cause, quoi, même de Francis dans un sens, mais ne serait-ce pour la suite de l'histoire, pour que ça se passe au mieux, et bien je vais en finir maintenant. Si... Voilà, maintenant je suis un noble, Francis. Et pour le coup, je sais que j'ai fait le mauvais choix moral, je dirais, par rapport à la situation et par rapport à la relation que j'ai avec Francis, puis tout ce qui concerne le village qu'il y avait, je dirais, avant toute cette période de noblesse. Pour le coup, franchement, Francis a raison. Je suis d'accord. Mais là, apparemment, peut-être qu'on va faire un petit combat contre Francis, et c'est juste ça que je voulais faire, en fait. Hop là. Ah oh bah... C'était rapide, je l'ai juste... Je l'ai stab in the belly. Je pensais qu'on aurait un combat loyal, mais en fait non. Ouf, ah bah je... C'était sans pitié en tout cas. De toute façon, de base, Isaac n'est pas forcément quelqu'un de bien, dans la mesure où il a tué le vrai Isaac, le noble dont il a usurpé l'identité. Il n'a jamais forcément été quelqu'un de bien dans ce sens-là, quoi. Dès lors où il a usurpé l'identité du vrai Isaac, ça l'a un petit peu, je dirais, ça l'a fait franchir la ligne. Parce qu'il aurait jamais dû rejoindre les nobles, mais bon, s'il n'aurait jamais fait ça, il n'y aurait jamais eu d'histoire et de jeu. Voilà, maintenant que l'affaire Francis est réglée, je peux apparemment aller me faire anoblir. Alors, je sauvegarde rapidement, histoire de... Tac. Et... On peut aller à la cérémonie. Bref, ça parle de bouffe, toujours pour ne rien dire. Hein. Est-ce qu'on peut assister à la cérémonie et que je sois enfin proclamé chevalier? Bon, est-ce qu'il faut que j'aille? Est-ce qu'il faut que j'aille voir le roi? Je sais pas où est-ce que ça se fait, moi, la cérémonie. Hein. Mais ça se fait auprès du roi, de toute façon, c'est le roi qui nous... Ouais, je suis prêt, ouais. Oui, c'est le roi, de toute façon, qui fait ça, donc... Ah, il y a Lucius Malfoy. Le père de Arya.
Aria Malfoy, hein. La sœur méconnue de Lucius, de Drago Malfoy. Je sais pas d'ailleurs dans Harry Potter si, parce que je connais que les films d'Harry Potter, hein, je connais pas plus les livres ou autres. Je sais pas si dans la famille Malfoy, la famille Malfoy, il y a d'autres, parce qu'on voit, on aperçoit la mère de Drago, on aperçoit donc Lucius, on aperçoit bien sûr Drago, mais est-ce qu'il y a là, genre, il a une sœur ou même un frère, ou je sais pas, un autre membre de la famille qu'on ne voit pas dans les films, mais qui sont mentionnés dans les livres, ça serait intéressant. Je sais pas, je dis ça comme ça, ça me fait penser à ça. D'ailleurs, je crois qu'il prévoit de faire de nouveaux films, ou je sais pas, des sortes de je dirais, de développer un peu des histoires et des intrigues parallèles à Harry Potter, ou même faire une suite, j'avais lu ça. Je sais pas trop où ça en est. Du coup, peut-être que, je dirais, toutes les intrigues qui sont présentes dans les livres, peut-être seront exposées une fois un jour à l'écran. Je ne sais pas. Bon, alors, qu'en est-il? Depuis le temps qu'on attend ça. Il y a tout le monde qui est présent, hein. Ils ont invité tout le monde. C'est la fête au village, enfin, la fête à la ville plutôt. Y a pas Arthur? Parce qu'il est encore vivant lui, enfin, il s'est pas barré nulle part. Aria de la maison Géraldine. Je vous fais chevalier. Lady Aria. Ta-ta-taum. Lucien de la maison Leroux. Renard de la maison de la forêt. il va faire ça avec tout le monde. I doubt they free some air hunts here, Renard. Je sais pas ce que j'ai dit. J'ai senti ça comme ça. Isaac de la maison Golden Lake ou Golden... C'est Lake, hein, j'avais dit il y a longtemps Golden Snake. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça, mais c'est bien Golden Lake. Isaac Golden Lake. J'aime le dire Golden Lake avec un petit accent. Golden Lake. Bon, bref. Camille de la maison Rhine. Ou Rhine, je sais pas. J'aime beaucoup parler anglais, hein, pour tout vous avouer. J'aime beaucoup la langue anglaise. Je me débrouille, on va dire, pas mal. Hein. Je sais comprendre et m'exprimer en anglais. Et j'aime beaucoup l'intonation qu'a la langue anglaise dans la bouche. Ilian de la cité des elfes d'Adan Tor. Lady Ilian. Bon, ça c'est fait. Ensuite. Maintenant on se fait appeler les Honored Companions. D'accord. Et maintenant on sera, je dirais, au service de Lord Severin. Donc plus maintenant au service du roi alors.
Oula, mais c'est bon, calmez-vous les gars. Alors le roi apparemment a... Il parlait d'un enfant, alors j'ai pas bien compris à qui il était, à Sophia. Sophia, c'est pas la reine. Ouah, mais les mecs! Mais qu'est-ce que c'est que ce... Ce merdier? What the fuck? J'ai pas compris là. Il parlait d'un enfant, je sais pas, une sorte d'héritier. Et Lord Severide n'a pas apprécié, enfin, genre comme si c'était une sorte de trahison, ou je sais pas, enfin, un enfant qui n'était pas forcément légitime je dirais, pour être roi ou pour être descendant du roi. Et du coup, ça s'est échauffé, mais genre ultra rapidement entre Severide et puis le roi. D'accord, donc Sophia, c'est bien la femme du roi. Enfin, de l'ex-roi, pour le coup. Et le mec, il l'a. Severide, là, il la stab dans le belly. Et merde alors. Mais calme-toi, toi! What the fuck? Bah, c'est clair, c'était une cérémonie trop cool au début. Hein. Pff, combat! Combat contre le chevalier de Lord Severin. C'est bizarre quand même. Enfin, j'ai pas tout bien saisi déjà, mais. Bon bah allons-y, écoutez, hein. Un combat, enfin, c'est un petit moment que je n'ai pas eu. Par contre, du coup, la partie que j'ai, c'est pas celle que j'avais d'habitude. Bon, je sais pas pourquoi j'ai celle-là d'office, et merde, j'ai déjà perdu Isaac. Oula, 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 oh. Ouais, ils sont tous blessés ou en train de saigner là. Ils sont costauds. Waouh, les mecs, ils sont costauds quoi. Fuck. Bon, c'est là ce que je peux en avoir un de moins. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça y est, je suis mort. Alors voilà, je suis de retour à la partie. J'ai changé un petit peu ma partie, justement. J'ai repris Renard et Ilian. Donc j'ai relu vite fait le pitch qui s'est passé. Alors de ce que j'ai compris, le roi, donc Alain, devait laisser son trône à Lord Severin, sauf que apparemment il a eu un enfant. Enfin, qui n'est pas encore né, mais il a fait un enfant. Et du coup, bah, l'héritage va venir à son enfant et pas à Lord Severin, quoi. Sauf que Lord Severin ne semble pas être d'accord. Enfin, j'ai pas bien saisi, mais ça semble être quelque chose du genre. Bon, du coup, maintenant, on va essayer de battre les gardes, là. Mais ce qu'ils ont l'air, c'est costaud, quand même. Hein. Ils font vraiment très mal. Hein. Ils font vraiment très, très mal. Je vais soigner Ilian. Ouais, ça s'appelle pas mal. Oh purée, ça aurait été inutile quoi. Oh la vache. Mais comment je vais les battre?
Oh purée quoi. Bon bah je suis reparti pour la troisième tentative. Ça va être compliqué quand même, hein. Je sais pas comment je vais y arriver honnêtement. On va voir ça. Avec un peu de chance peut-être. Alors, Iliane, tu vas te guérir tout de suite avant de subir une 4 attaques d'affilée là. Oh purée, c'est chaud quoi. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ils font juste ultra mal et j'ai. Ah purée, oh, c'est encore plus rapide quoi. Bon. Il va falloir que je fasse quelque chose. Je vais regarder un peu sur internet un peu où j'en suis en fait dans l'histoire parce que est-ce que c'est. Enfin, je vais juste regarder quelques infos sur internet parce que ça me déstabilise un petit peu. Je dois vous avouer que. Ben, je serais bien tenté de malheureusement terminer un peu mon let's play là parce que. Là, ça fait 3 fois que j'essaye, et genre, à 3 fois, au bout de les 30 secondes de combat, je me fais aussitôt tuer, quoi. Et ben là, en plus, j'ai la partie, je dirais, la plus offensive. Je sais vraiment pas comment je peux les battre. Alors, après, c'est vrai, là, je suis en train de me relativiser un petit peu. Durant toute ma partie, j'ai souvent un peu esquivé les combats. J'en ai fait quelques-uns un peu en off ou en speed, hein, comme vous avez vu, mais c'est vrai que j'ai un petit peu j'ai pas épargné les combats dans la mesure où ceux que j'avais que je devais faire ou que je faisais, il n'y avait pas forcément beaucoup non plus, étaient relativement simples. Et là je me rends compte que merde, j'aurais peut-être dû en faire un peu plus pour essayer de me faire un niveau un peu plus sérieux, un peu plus costaud. Cependant, ça fait en sorte que je suis bloqué là, j'ai pas forcément d'autres choses à faire si ce n'est bah ouais retourner retourner un petit peu dans les terres sauvages, affronter du monstre et gagner de l'XP. Ça me fait un peu chier, je dois vous avouer, de refaire ça, et puis même de m'arrêter là ou quoi que ce soit, je sais pas trop. Moi, ce que je vais faire, c'est que, bon là, c'était l'épisode 12, je vais le terminer là, sur mauvaise note, et je vais voir de mon côté si si je fais de l'XP un petit peu en off, et que je reviens, style, une semaine plus tard, lorsque j'aurai atteint un niveau correct, capable de rivaliser avec le combat, là, contre les gardes. Ou bien, j'arrête mon let's play là, parce que bon là après c'est un let's play, hein. C'est vrai que j'avais dans l'optique de finir le jeu, sachant qu'apparemment il était pas non plus très très long, sauf que bon si je suis bloqué, j'ai pas envie d'y passer non plus toute ma vie quoi, j'ai envie de passer un pas à autre chose, j'ai envie de jouer à autre chose, et puis bah voilà quoi, ça me saoule un petit peu à la longue, c'est pour ça que j'aime pas les jeux trop longs, parce que voilà, ça me saoule et j'ai plus envie d'y jouer, et là ça fait un peu ça quoi, si je galère trop sur ce passage là, je sais pas, sachant aussi que j'ai lu, que le jeu n'était pas complet dans le sens où il y a plusieurs endroits qu'on n'a pas encore, je dirais, visité, et que ça serait dans une sorte de suite au jeu, alors, je sais pas, genre Celestian Tales, soit pas All North, mais voilà, une autre dénomination, je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont prévu. Donc je pense honnêtement qu'on est sur la fin du jeu, la fin de cette partie du jeu, du moins, et que voilà, ça c'est une sorte de gros prologue pour la suite de l'histoire. Donc je sais pas, je vais essayer de me renseigner un petit peu là-dessus. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, si vous voulez vraiment que je continue, et du coup bah je ferai ça en off, c'est-à-dire que je gagnerai de l'XP en essayant d'avoir un combat, je dirais, un peu plus équitable, parce que là je me fais démonter en 30 secondes, ou s'il y a vraiment personne qui semble montrer de l'intérêt, je m'arrêterai là, c'est pas grave, hein, je pense que j'aurais montré et découvert une bonne partie du jeu. Je sais pas, dites-moi un petit peu vos ressentis, moi je vais réfléchir de mon côté, regarder quelques infos et me faire une opinion. En tout cas, j'ai arrêté l'épisode là, bon il n'y aura pas eu forcément grand chose, enfin c'est un petit peu là la synthèse de tout ce qu'on a fait hein, depuis la victoire contre les Enders. Donc voilà, je vais m'arrêter là, un petit peu déçu, je dois l'avouer. J'aurais bien aimé clore ça de manière un peu plus propre. Sauf que là, je suis incapable de gagner le combat. Voilà, voilà. Du coup, bah, merci d'avoir quand même regardé la vidéo, peut-être d'avoir suivi toute l'aventure, je sais pas trop. En tout cas, je vous dis merci, au revoir, à bientôt, salut, arrivederci, adieu, ce que vous voulez.
Et bah, peut-être à très bientôt pour de nouvelles aventures ou bah, pour la suite, je sais pas. À vous de me dire. Voilà. Encore merci et salut. Allez. Alors, tout le monde, je fais un point terminal, ça se dit pas, un point final pour terminer la vidéo qui va être longue, je m'en excuse. Mais c'est bel et bien la dernière vidéo, la vidéo de fin, donc numéro 12, la fin. Enfin, plutôt la demi-fin, la presque fin, puisque en effet, je n'ai pas terminé le let's play, mais j'ai fait mes petites recherches. Il s'avère que j'étais à 10 minutes de la fin, en fait. Il y avait en effet le combat contre les gardes à faire, puis il y avait un combat contre Lord Severin, combattait bien évidemment. Et ensuite, il y avait voilà, un épilogue qui racontait un petit peu ce qu'il advenait de Lord Severin, du royaume et autres. Et également, alors selon le personnage qu'on jouait, ici Isaac, on le voyait parler à sa mère un petit peu de son histoire. Vous pouvez trouver ça sur Internet, sur YouTube, il n'y a pas de souci. Ça me fait juste... Enfin, je suis assez déçu là, de ne pas vous l'avoir fait totalement à 100%, du moins jusqu'au bout. J'aurais aimé voilà, moi-même le découvrir et moi-même vous le montrer à travers ce let's play... Bah, la fin du jeu, quoi, tout simplement, parce qu'on était à la fin du jeu. Sauf que, bah voilà, le combat, il a l'air vraiment trop compliqué, et ça sert à rien que je perde encore une, deux heures à juste spexer pour deux petits combats de fin. Enfin, je trouve ça un peu... Ça me fait chier, hein, je vous l'avouerai. Mais, pour moi, voilà, ça sert à rien. C'est juste que il manquait juste rien, et... pour terminer le jeu correctement, mais bon, voilà. Du coup, voilà, ça sera la fin, sa fin du let's play de Celestian Tales. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Voilà, donc que la fin était. Voilà, il manquait vraiment rien. Si, ouais, ce qui est étrange, c'est que du coup, j'ai regardé un petit let's play, un autre let's play, sur la fin du jeu pour voir un petit peu ce qui se passait et où est-ce que j'en étais. Et ce qui est étrange, c'est que la personne dont j'ai regardé la vidéo, le combat qu'elle menait contre les gardes, eh bien, ces personnages n'étaient vraiment pas forcément forts, ils n'avaient pas beaucoup de points de vie en fait. Et enfin, j'ai pas forcément vu le niveau auquel il était en fait, mais bah, il avait pas l'air forcément plus fort que moi. Du coup, je comprends vraiment pas. Je me dis que j'étais maudit. Je sais pas. Le combat m'avait l'air vraiment très très dur. Et puis quand j'ai regardé la vidéo, le mec se débrouillait vachement bien avec une équipe pas forcément très puissante. Je sais pas. Ça me laisse un petit peu. Ouais, ça me déstabilise un petit peu. Puis surtout de terminer comme ça, c'est un peu dommage. Mais bon, que voulez-vous? Donc voilà, je vous invite à regarder un peu la fin sur YouTube. Je m'en excuse, hein, c'est un peu contre ma volonté, je dois l'avouer. Mais, pardon, je voulais éternuer. C'est un peu contre ma volonté, je m'en excuse. Mais voilà, je voulais vraiment pas passer trop de temps avec ça pour pas grand-chose, honnêtement, voilà. C'est un peu dommage. Du coup, bah voilà, fin de Celestian Tales Old North. Donc concernant mes impressions, donc, enfin, peut-être qu'il y aura voilà, une sorte de suite au jeu. Comme disaient certains, c'était plus voilà, une sorte de première partie qui aura une sorte de suite un petit peu, parce qu'en effet, il y a des zones qu'on n'a pas, je dirais, visitées. Il y a encore, même voilà, même avec Astori, puis l'autre mage qu'il y avait, enfin voilà, à mon avis, il y a encore des éléments qui ont été placés dans cette partie du jeu-là, et ça serait trop... enfin voilà, ça n'aurait pas de logique de ne pas faire une suite, en fait. Du coup, je verrai bien l'avenir. Aujourd'hui, non, j'ai pas envie de faire la suite. Voilà, déjà que je vais pas terminer la première partie, ça serait un peu absurde de faire la suite. Mais bon, voilà, c'est pas encore sorti, il y a pas plus d'infos là-dessus. Je vais pas m'étaler sur le sujet. Concernant le jeu, donc comme je l'avais dit dans ma découverte de la démo, je trouvais ça très joli, même au niveau de la musique, assez classique au niveau du gameplay. Et c'est le cas. Et c'est même peut-être un petit défaut parce que ça reste trop classique tout le long du jeu. Et je dois vous avouer que des fois, je me faisais ça un peu chier, quoi. Niveau gameplay, ça reste très simple. Les combats, sauf le dernier qui va me faire qui me fait tromper. Mais autrement, les combats sont relativement simples. Voilà, suffit qu'on pexe un petit peu et que voilà, on sache comment ça fonctionne. Voilà, il n'y a pas forcément de gros challenge. Et le gameplay, les systèmes de combat restent assez basiques. Et heureusement que le jeu ne dure pas si longtemps que ça, et pourtant j'ai trouvé des fois un peu le temps long, et comme je le disais à quelques reprises, les dialogues, ouais, sont trop longs pour rien dire, quoi. Alors après, je peux comprendre que c'est pour placer un petit peu des intrigues, et je dirais des relations entre les personnages du groupe, mais bon, des fois, c'est pas intéressant, et même l'intrigue principale avec les Enders, bon, c'est pas... Ça casse pas des briques, quoi, voilà tout, voilà, bon, on est des écuyers, on apprend qu'il y a des méchants monstres tout bleus qui attaquent, on s'y rend, bon, on fait 2-3 trucs, j'ai bien aimé le petit passage avec Arthur et avec son luth, c'était sympa. Après, bon,
Je sais pas, après, ouais, il y avait un petit peu aussi ce côté avec les Lord Severin et autres, Rosava, les Marianne et autres et compagnie. Je sais pas, j'ai pas ressenti une grosse intensité dans ce côté médiéval fantastique, que c'est un genre que j'aime bien, mais je sais pas, là je l'ai vraiment pas trop ressenti. Ça ne fait pas que le jeu est mauvais, hein, loin de là, et c'est un bon jeu. Je vous le recommande si vous êtes amateur de ce genre de jeu à gameplay et un petit peu dans cet univers-là, mais c'est pas très très riche, hein, c'est... Si je dois lui donner une note sur 20, même si donner des notes c'est pas forcément légion pour le jeu vidéo, hein, on peut très bien ne pas donner de note à un jeu vidéo, on peut le trouver bon pour certains points et pas d'autres sur certains d'autres points, sans pour autant donner une note qui va sceller le sort du jeu, hein, c'est vraiment juste pour donner un aperçu de mon ressenti pour que ce soit clair pour tout le monde. Je donnerais voilà, une note, je sais pas, 13-14, ça peut paraître peu, mais pour moi tout ce qui est au-dessus de 15, c'est... On va dire, c'est la note jeuxvideo.com, mais ça veut rien dire. Mais tout ce qui est au-dessus de 15, pour moi, en règle générale, c'est des très bons jeux qu'il faut vraiment jouer. Voilà, c'est des jeux auxquels il faut s'y intéresser. En dessous de 10, c'est vraiment... c'est un peu mauvais, c'est-à-dire que, à part si vous aimez le type de jeu, n'y jouez pas. Voilà, si je donnais moins de 10, à part si... voilà, si j'aurais donné moins de 10 à Celestian Tales, c'est uniquement pour les personnes qui aiment bien jouer au RPG de ce genre, autrement, il n'est pas intéressant. Et entre 10 et 15, j'ai envie de dire, ça vaut le coup d'œil. Pour tous ceux qui aiment bien le jeu indépendant pour, de surcroît, hein, ça c'est un atout non négligeable. Mais voilà, c'est vraiment, faut s'y intéresser à ce genre de jeu, c'est prometteur. Cependant, il manque quelques petits éléments qui sont à résoudre. Hein. Je pense que voilà, une histoire peut-être un peu plus riche, un fond plus riche, quelques éléments de gameplay un peu mieux amenés, quelques petits détails ici et là qui feraient en sorte que le jeu pourrait vraiment voilà, avoir une meilleure note, ou au moins faire ressentir une meilleure impression. Donc là, je donnerais voilà, une sorte de 13, allez, 14 pour être sympa. Mais pour le côté, voilà, 6 prologues, ça c'est pas mal. Mais voilà, c'est mon ressenti du jeu. Je l'ai pas ultra adoré, mais je l'ai pas détesté. Je trouvais ça intéressant. J'étais content voilà, de partager ce genre de jeu avec vous, hein, pour ceux qui l'ont suivi. Merci d'ailleurs, hein, je vous remercie. Il y en aura d'autres, hein, je compte en faire d'autres, alors du même format, je sais pas, voilà, en anglais, où je résume un petit peu l'histoire, des RPG, dans cet univers-là, je sais pas trop exactement. Il y en aura d'autres, je sais pas vraiment quand, c'est selon ce que je fais un peu de mon emploi du temps. Je ne suis pas forcément libre tout le temps, puis je n'ai pas forcément l'envie non plus, il y a d'autres jeux que... Enfin, il y a plus... En fait, je joue à, pas beaucoup de jeux, mais à certains jeux, sauf que, bah, à part sur mon PC, qui est quand même très 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 bas en termes de performance, vous avez peut-être pu le voir, malheureusement, je peux pas faire déjà tourner beaucoup de jeux et encore moins en streamer et les uploader quoi. Bref, je me garde un peu. Si de nouveau sur ma chaîne, vous en serez au courant lorsque ça arrivera. Voilà, toujours est-il que Celestian Tales, c'est un bon petit jeu. Mais voilà, je le termine là-dessus. Un peu déçu quand même de le terminer de cette manière. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Voilà, voilà. Donc du coup, je vous dis remercie d'avoir... regardez cette vidéo, ces vidéos pour ceux qui ont suivi toute l'aventure, tout ce let's play, d'avoir suivi l'aventure Celestian Tales of the North. C'est la dernière fois que je le dis, hein, de cette manière-là. J'espère à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux projets. Et puis voilà, il faudra aussi que je bosse, parce qu'à chacune de mes vidéos, il doit y avoir au moins 5 minutes de... je m'en rends compte, voilà, je m'en rends pas compte lorsque je parle, hein, bien évidemment. Mais lorsque je monte la vidéo, je fais « Oh, mais c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant le nombre de « que je peux sortir de ma bouche. » Bref, il faudra que je travaille là-dessus. Voilà, encore merci, et à la prochaine pour de nouvelles choses. Salut !